Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième rendez-vous Bibliogrill. Il est retransmis sur le site BPI Pro et sur notre page Facebook. Il est également accompagné d'un live tweet auquel vous pouvez participer avec le hashtag Bibliogrill. Après les jeunes et la violence, puis l'accueil des publics très précaires en bibliothèque, nous nous penchons aujourd'hui sur les conséquences de la crise sanitaire dans les bibliothèques. Pour cela, nous avons invité Christelle Tridon. Bonjour Christelle. Bonjour. Responsable de la bibliothèque Louise Michel au sein des bibliothèques de la ville de Paris. Cette bibliothèque, au sein du réseau, incarne peut-être plus qu'aucune autre l'idée de bibliothèque troisième lieu, au sens où elle s'appuie très largement sur ses usagers pour construire, voire mener ses actions et ses services. Ce parti pris très collaboratif est également inscrit dans l'ADN de l'équipe. Christelle, peux-tu, dans un premier temps, revenir sur la manière dont l'équipe a réagi et réorganisé son travail pendant les périodes de fermeture? Alors, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que le premier confinement a été très brutal dans les équipes. On s'est retrouvés chez nous alors qu'on était déjà prêts à travailler en interne. Et puis, heureusement, nous, on avait déjà des outils collaboratifs, genre on avait un WhatsApp pratique, etc., qui a fait qu'on a pu remettre en place très rapidement les réunions entre nous. Et donc, par là même, mettre en place des activités numériques, donc créer du contenu, mettre en place notre café des lecteurs en virtuel, des soirées jeux de rôle, des choses comme ça. Bon, on s'est aperçu que on a été assez rapide au démarrage, mais qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça beaucoup mieux que nous. Voilà, mais bon, on l'a fait. Et puis, quand la reprise a été assez laborieuse en termes de retrouver notre public, et c'est quand en septembre, les gens ont commencé à revenir, ou on a commencé à refaire des animations avec des jauges et tout ça, que le deuxième confinement a intervenu de manière aussi, finalement aussi brutale que le premier. Et là, la différence, c'est qu'on n'était pas chez nous, on était sur place. Donc, un peu heureusement, parce que je crois que les équipes étaient plus fatiguées et auraient eu moins l'énergie de repartir sur ce tout numérique. Donc, le premier réflexe a été de se reconcentrer sur les collections. Alors, en sachant qu'à Louise Michel, c'est un peu déséquilibré, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sur les collections et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sur l'action culturelle, la com, les partenariats, etc., les jeux vidéo, bon bref. Et donc on s'est dit on va rééquilibrer, tout le monde on va donner du travail à ceux qui en ont moins et tout ça. Mais en fait, ça se passe pas très vraiment comme ça. C'était un petit échec puisque les gens qui faisaient les collections, ils faisaient déjà très bien, ils n'avaient pas envie de donner la main. Du coup, on est reparti sur le projet d'établissement. Et le projet d'établissement est aussi pas mal sur toutes les choses qu'on avait mis en attente parce que pas prioritaire, parce que pas le temps, parce qu'on ne savait pas trop comment faire et qu'on avait très envie de mettre de la douceur dans ces règles. Du coup, c'est comme ça que sont nées la bibliothèque qui devait arriver tôt ou tard, le mur d'expression, puisqu'on avait enlevé toutes les chaises et les tables, et du coup, il y avait de la place, ce qu'il n'y avait pas avant, et puis les mistakes. Alors, mistake, voilà. Une seconde, ça veut dire quoi, mistake, exactement? Alors, bon, mistake, ça veut dire matinée d'information et sensibilisation thématique entre collègues. Je regarde mon tuste parce que, en fait, on est très fans d'acronymes à la bibliothèque. Donc, on en invente pour tout, mais après, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Et le principe de ça, c'est que l'équipe est formatrice par ailleurs. Beaucoup de membres de l'équipe forment. À Paris 5, en province, etc. Et nous, on n'en bénéficiait pas et que c'était un petit peu dommage. Donc, c'était un peu ce constat-là. Et puis surtout, on avait besoin de culture commune, de mettre en place un discours. Donc, on avait fait le premier mistake qui a été sur les jeux vidéo. Donc, ça nous a permis de… Évidemment, ce n'était pas comment allumer une console, parce que ça, on sait faire, mais c'était plutôt toute la partie historique, économique et surtout savoir répondre… tous les préjugés qui existent, à tout ce qu'on nous renvoie sur le fait que le jeu vidéo n'est pas de la culture, l'addiction, etc. Tous ces sujets-là, avoir des billes, en fait, pour pouvoir y répondre. Et le deuxième, ça a été sur
les livres infréquentables. Alors là, c'était parti aussi de stagiaires qui nous avaient posé des questions là-dessus. Alors, livre infréquentable, ça veut dire autant Zemmour que Olin Armand et Coffin, en sachant que nous, on achète certains et pas d'autres. Donc, l'idée, c'était pas de dire qu'on n'avait pas de sous parce que c'était un peu malhonnête. Comme on dit chez nous, d'assumer notre subjectivité, même si les bibliothèques sont censées être neutres. Du coup, là, le mystique, ça nous a permis surtout de parler de ça parce qu'on n'était pas finalement au même niveau toute l'équipe là-dessus. Et puis, de travailler, là, on est en train de renouveler notre charte documentaire pour pouvoir avoir cette espèce de discours commun. Et justifier vos choix. Donc, en fait, vous avez travaillé la politique documentaire. Voilà, mais de manière globale, on va dire. Enfin, en tout cas, toute l'équipe. Et alors, le bilan de ce partage de compétences, de réflexions? Ben, écoute, c'est très enrichissant parce que, en fait, ça permet déjà à ceux qui sont formateurs de pouvoir reprendre leur formation de manière plus légère. Peut-être la modifier un petit peu aussi. Enfin, en fait, on en faisait un peu entraînement, hein, on était un peu cobayes. Et en même temps, pour les autres, ça permet d'approfondir des sujets qui sont peut-être naturels, mais en fait pas tant que ça. De toute façon, de se former, c'est toujours chouette. Bon, après là, le risque, c'est que l'avantage, là, on avait toute l'équipe parce qu'on avait des horaires réduits communs, tout ça. Oui. Là, avec les histoires de récup et tout ça, il va falloir être vigilant pour que ça continue. Mais comme ça a bien marché, nous, à Louise Michel, on est beaucoup dans la culture du test. Donc, ça a bien marché, on va se donner les moyens que ça continue. Et donc, d'autres idées de thèmes de Mystech? Alors, on va travailler sur les handicapés, sur notamment la culture sourde et tout ça. Ouais. On a autour du jardin aussi. Donc, après, je ne sais pas exactement. Les personnes qui s'en emparent. Le principe, c'est que on pose les questions on a un drive où on met ce dont on aimerait bien entendre parler et ceux qu'ils ont à proposer. Donc c'est pas moi qui vais le faire, donc je pourrais vous dire après de quoi on aura vraiment parlé, mais en tout cas c'est autour de ça, de la culture sourde et de l'handicap en général. Ouais, donc finalement c'est une manière de retravailler la culture d'équipe et peut-être même la manière d'encadrer les équipes. Et alors après, donc les périodes de réouverture, est-ce que la question c'est quelle mission de la bibliothèque, surtout cette bibliothèque-là, t'ont semblé particulièrement mise à mal? Comment vous l'avez pensé en équipe? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui a été mis à mal, c'est le social. Alors ça, je pense que c'est pas du tout spécifique à Louise Michel. Hein. On a pu mettre en place des services intéressants, notamment le click and collect, tout ça pour tous les emprunteurs qui avaient une certaine autonomie. Il y a eu des possibilités d'inscription en ligne, etc. Mais nous, toutes les personnes qui vont sur les ordinateurs parce qu'ils en ont pas chez eux. Tous nos services de médiation auprès d'eux, les ados qui traînent à la bibliothèque avec qui on met en place nos ateliers participatifs, il faut qu'ils soient là pour qu'on puisse le mettre en place. Donc là, ils avaient disparu. Les nounous aussi avec les tout petits qui courent partout, elles avaient plus d'espace pour. Toutes ces personnes-là, tous les publics précaires, tout ça, on a tout perdu. La seule chose qu'on a pu garder, nous, c'est l'écrivain public, en fait, la permanence d'écrivain public, parce que c'était des bénévoles, parce que donc ils étaient partants, parce que du coup on avait la salle libre et que c'était un, donc on a pu notre salle de travail étant fermée, on a pu garder ça, mais c'est vraiment une toute petite partie du social. Et alors c'est assez paradoxal parce que justement j'ai eu l'impression que pendant cette crise sanitaire, en fait, les tutelles au sens large, c'est-à-dire les maires, les départements, les régions, tout ça, ont considéré que finalement, les bibliothèques faisaient du social, ce que nous, on revendique depuis longtemps et qui n'est pas vraiment reconnu. Et donc là, ça a été un peu l'idée de rester ouvert à cause de ça, alors que c'est justement ça qu'on ne faisait plus vraiment. Donc, c'était un peu le paradoxe, mais voilà. Et on va les retrouver, hein.
Ben, normalement, oui. Donc, comment vous vous projetez là? Comment réinventer de la convivialité? Comment vous avez des pistes particulières? Vous retravaillez les choses? Vous êtes optimiste? Alors, optimiste, on l'est toujours. Puis là, en ce moment, le ciel a l'air de s'éclaircir, donc on l'est. Mais j'avoue qu'on a mis du temps à l'être. Hein. Nous, nos 10 ans de la bibliothèque, là, ils sont repoussés fin septembre, du coup. On les a repoussés 3 fois. On a toutes les animations qui ont été repoussées. Ça a été beaucoup de fatigue. Mais quand même, on reste positif. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que certains partenariats qui ronronnaient un petit peu du fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de public, nous, que le bouche à oreille avait beaucoup marché et que tout ça fonctionnait bien et qu'on n'avait plus tant de temps que ça avec tout ce qu'on faisait. Je pense que là, on va pouvoir se relancer tous ces partenaires, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont changé. Enfin, il y a beaucoup d'associations. Ça a été pas mal bouleversé dans les associations et tout ça. Donc, il y a un gros travail. Juste un exemple de partenaire avec qui les choses sont retravaillées. Ouais, alors nous, on a juste à côté de chez nous, on a le centre social à Kensaro. Oui. Oui, donc qui est un centre social énorme. Là, la directrice a changé aussi. Donc, on a commencé à reprendre contact, à travailler avec elle, notamment sur le street art. Et puis, on a aussi le centre Étincelle qui aussi travaille beaucoup sur justement la médiation numérique avec les lecteurs. Et puis aussi, ils ont aussi des écrivains publics, donc on partage. Et là, il faut qu'on voit avec eux si on peut faire des choses plus. Pour l'instant, on s'envoyait un peu les lecteurs, on savait un peu ce qu'on faisait les uns, mais là, l'idée, ça serait d'arriver à se rencontrer, à faire des choses vraiment en commun. Oui, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ça vous a permis de restructurer le travail à l'intérieur de l'équipe et aussi à l'extérieur. Oui, enfin, ça va nous. C'est en cours. Hein. Donc ouais, là, est-ce que ça va réussir? C'est la question. De toute façon, à l'intérieur de l'équipe, l'équipe avait un peu bougé. Il y avait d'autres envies. On est en train de retravailler aussi sur nos pôles et tout ça. Donc, on espère qu'on va pouvoir. Après, des fois, le risque, c'est que le naturel revienne au galop si la situation se normalise. Bon, peut-être qu'on va réussir. En fait, je parais pessimiste comme ça, mais je sais que le souci de Louise Michel, c'est la question des priorités, du fait qu'on fait beaucoup de choses. Donc, c'est très compliqué. En fait, l'idée là, c'est de dire, voilà, il faut qu'on freine pour pouvoir faire mieux. Ouais. On ne sait pas si on va réussir, on va voir. Alors, s'il y a juste peut-être un mot de la fin, puisque l'heure tourne et qu'on va bientôt pouvoir passer aux questions. Donc, on voit bien qu'il y a une attention particulière à l'équipe. Autour de quelle idée phare se construit l'accompagnement de l'équipe? Alors, ce que je disais dans l'article de blog, là, mais ce qui ressort beaucoup dans cette crise sanitaire, c'est l'hétérogénéité des équipes. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance à Louise Michel d'avoir une équipe très homogène et très bienveillante les uns avec les autres. En général, nos différences, elles ne se voient pas vraiment. Ouais. Avec la crise sanitaire, elles ont ressurgi. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont très inquiets, les autres qui le sont moins, enfin, ou très peu. Et donc, ça veut dire que même à l'intérieur de l'équipe, il faut faire attention au port du masque, ce qui a été un peu difficile au début. Maintenant, évidemment, c'est acquis. Les distances, tout ça. Enfin, il y avait et les gens qui avaient peur avaient du mal à le faire ressortir, parce que c'est toujours pareil. Quelle image peuvent avoir les autres, tout ça. Donc, en fait, il a fallu re-homogénéiser l'équipe en étant souple, pas dans le sens, bon, il faut tenir les règles, hein, mais en tout cas, la souplesse sur, y en a qui arrivent à travailler, il y en a qui ont besoin de travailler, d'avancer pour pas perdre, je sais pas. Et puis, il y en a d'autres, ils sont complètement perdus, ils n'ont plus rien à faire, ils ne savent plus quoi faire, enfin, ils ont du mal à se relancer, quoi. C'est comme si ça avait coupé les ailes. Et donc, et en même temps, ces gens-là, ils culpabilisent parce qu'ils voient les autres qui avancent, c'est eux qui... Ouais. Donc, tout ça, c'est en discuter avec eux et c'est surtout dire c'est pas grave, on est différent, on est une période particulière
Et donc, bah, ceux qui ont besoin de se poser, ils se posent et personne ne leur en voudra, en fait. Alors, une question est arrivée via Facebook, très concrète. Combien de personnes y a-t-il dans l'équipe ? Alors, on est 14 à Louise Michel, normalement. D'accord. Là, on est 13 plutôt, parce qu'il y a une personne qui en a arrêté maladie depuis longtemps. Ouais, ok. Donc, on est 13. Et une autre question, comment concrètement cette culture commune s'est infusée ? Comment vous êtes-vous organisé pour les mistakes qu'on n'écrit pas comme erreur en anglais mais... Voilà, non, on l'écrit M-I-S-T-E-C. Ouais. Alors, comment elle s'est diffusée? En fait, c'était dans le projet d'établissement, on avait reparlé un peu de la formation. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Louise Michel, c'est qu'on a des pôles transversaux. Voilà, on ne travaille pas par section, on travaille par pôle transversaux. Mais la formation, qui est quand même une composante assez importante de l'équipe, elle était pas, elle apparaissait pas dans aucun des pôles. En fait, elle pourrait être un peu dans tous, mais elle apparaissait pas du tout. Donc ça, c'est pour ça qu'on travaille justement sur la restructuration des pôles en ce moment. Et donc au dernier projet d'établissement, la question avait été posée de la formation, et notamment la formation des équipes avec des collègues qui disaient oui, c'est sûr, mais on ne sait pas ce que fait machin. Voilà, il part faire sa formation. On sait un petit peu, mais on aimerait bien, nous, avoir la formation, puisque nous, on est là. Donc, on avait parlé de ça, en fait. On avait dit qu'il faut mettre des jours vraiment de formation, comme une réunion normale. Le problème, c'est que la différence d'une réunion qui dure une heure, là, ça nous dure une demi-journée. Donc, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et puis, toujours pareil, il ne faut pas que ça saute, quoi. Il ne faut pas que les gens ils se mettent d'autres réunions sur cette période-là et tout ça. Donc là, effectivement, la période était propice, puisqu'évidemment, on n'était pas chez les partenaires machin, on n'était pas sur 36 000 trucs. Donc, voilà, là, maintenant, l'enjeu, c'est de considérer que c'est une priorité et qu'on ne se rajoute pas, c'est-à-dire les mistakes. On les répartit, on essaie une ou deux fois par mois, enfin une fois ou tous les deux mois maximum, quoi, et que on s'y tienne. Voilà, c'est que on rajoute pas des réunions, on rajoute pas des récup. Bon, évidemment, on peut être en vacances, une ou deux personnes, mais pas tout le monde. Et donc l'idée, donc effectivement, de sanctuariser ces rendez-vous. Et ce qui est intéressant de savoir, par exemple, les jeux vidéo, on imagine, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Je pense que c'était ça la question qui vient d'arriver. Comment ça infuse? Comment chacun réagit? Comment est-ce qu'on s'empare davantage des sujets après ce temps d'échange en équipe? En général, les sujets qu'on aborde, c'est quand même des sujets qui sont quand même dans la culture d'équipe, entre guillemets. C'est-à-dire que les jeux vidéo, tout le monde ne les pratique pas, ne s'en occupe pas. Mais c'est quand même intégré à Louise Michel que les jeux vidéo font partie de... Voilà, que c'est une collection comme une autre et qu'il y a des personnes qui s'en occupent. L'idée du mistake, c'était justement... je pense que justement, toutes les personnes qui n'étaient pas le plus proche du jeu vidéo ont vraiment apprécié cette formation parce que justement... Elle pouvait connaître un peu la partie technique, tout ça, mais c'était intéressant d'avoir des billes justement pour pouvoir répondre à des questions que peut-être nous-mêmes se posions et qu'on nous pose autour et comment pouvoir réagir. Donc, ça infuse dans l'équipe dans le sens où tout le monde était demandeur, en fait. Il y a des équipes où des gens n'aiment pas être formés, mais la plupart des bibliothécaires de France et de Navarre adorent aller en formation. Donc, en plus, quand c'est un collègue, on sait que ça va bien se passer, on sait qu'on peut l'interrompre quand on veut. Il y a quand même une facilité. Et en plus, c'est des gens qui connaissent bien leur sujet puisqu'ils sont formateurs. Ouais. Autre question. Avez-vous prévu des actions de médiation en dehors de vos murs pour partir à la rencontre justement de ces publics qui ne viennent plus, donc tu nous as cité les ados, les nounous, les sans domicile fixe. Ouais. Eh ben oui, alors on va mettre ça en place là. Pour l'instant, on sort à peine. Quand tu m'avais contacté, je pensais que le Covid serait loin derrière nous, mais pas du tout. Donc on a eu un de nouveaux coups de frein, nous, au mois d'avril-mai, là, avec.
avec ce troisième, enfin, troisième vague. Donc, les choses sont pas… Pour l'instant, on est en train de reprendre en recontact, mais ce sera vraiment qu'à la rentrée, on va pouvoir mettre les choses en place. Là, avec l'été, ça me paraît difficile. Nous, pour l'instant, on est quand même… Je trouve qu'on… On est resté quand même un peu beaucoup au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a des projets comme ça, mais ils sont pas encore hyper vraiment concrétisés, je trouve. C'est en cours, là. Enfin, on est en train de rencontrer les gens. Donc, je ne peux pas vous parler de projets qui sont déjà. Mais effectivement, on va sortir. Ça, c'est certain. Ouais. Tu peux nous donner un exemple concret, juste pour nous faire… Nous aider à nous projeter. Un exemple concret de quoi? De ce qu'on va faire à l'extérieur? Oui, voilà, exactement. Eh ben, nous, on a l'espace solidarité, notamment, qui accueille les femmes battues, tout ça. Donc, ça, on travaillait déjà avec eux, Mariam y allait. Donc, le principe, c'est d'y aller peut-être plus de nouveau, mais peut-être plus régulièrement, à d'autres horaires pour avoir de vraies discussions, de rester. Alors, la question de l'extérieur, c'est pareil. On va aussi au collège, sur le temps de midi. Ouais. On essaie de mettre en place des projets par là pour après que ça se diffuse à d'autres endroits. Après, on est 13, hein, on n'est pas non plus… il faut aussi faire avancer la boutique, donc on ne pourra pas tout faire. Mais les choses se remettent en place avec les partenaires et je trouve assez doucement pour l'instant parce que c'est pareil, tout le monde n'est pas encore revenu à son niveau, à son rythme normal. On n'a pas encore, franchement, on n'a pas encore le rythme, on n'a pas encore retrouvé le rythme. Hein. Là, ça a eu l'air de s'améliorer vite, les conditions, mais nous, je trouve qu'on est encore beaucoup là-dedans. Quand même. Alors, il y a un collègue qui voudrait savoir, est-ce que tu peux revenir sur les outils de travail à distance ponctuelle et pérenne que vous avez utilisés? Et est-ce que vous avez mis en place des règles pour ces outils, pour WhatsApp notamment? Alors, le WhatsApp, c'est juste en interne. Hein. D'accord. Donc, le WhatsApp, ça nous sert, ça nous sert même au quotidien, avant le confinement, après le confinement. Hein, c'est pour savoir, enfin voilà, quand on veut demander quelque chose à l'équipe qui a besoin de savoir tout de suite, ça va mieux que les mails, parce que tout le monde n'est pas sur… la messagerie ou quand des gens sont en récup, etc. Donc, il y a quand même ça nous sert comme ça. Donc, il n'y a pas de règle, sinon qu'on a deux fils WhatsApp, celui pour les bêtises et celui pour le pratique. Okay. Donc, celui pour le pratique est pratique. Donc, ça peut être, j'ai 5 minutes de retard, ça peut être… donc, il n'y a pas de charte écrite, mais il y a une charte entre nous qui est comprise. Après, pour les outils qu'on a développés pendant le confinement, Discord, ça s'est un peu imposé, je pense, parce qu'on a des personnes qui sont dans la culture du jeu et qu'au début, c'est un outil de gamer. Ouais. Voilà, donc, je ne sais plus. Discord, vous l'avez utilisé pour quoi, par exemple? On l'a utilisé pour nos réunions d'équipe. Ouais. Et on l'a utilisé pour nos cafés de lecteurs. D'accord. Alors, en sachant que le café de lecteurs, quand on est au deuxième confinement où on était on est passé sur Zoom. Parce que le problème du Discord, c'est qu'il y a une inscription et tout ça. Et nous, avec nos lecteurs, il a fallu faire… Enfin, on a des habitués, donc on a pu faire un petit peu de maintenance. Mais c'est vrai que les liens Zoom, l'avantage, c'est que… On envoie le lien et n'importe qui, même nos grands-mères qui ne connaissent pas trop, arrivent à se connecter. Et Discord, il y avait quand même un petit… Mais l'avantage de Discord, c'est que sur une conversation, on peut être nombreux. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de limite. Oui. D'ailleurs, je t'ai dit Zoom, mais c'est pas Zoom qu'on a fait après. C'est Google. C'est sur Google Meet. Ouais, sur Meet. Voilà. Et sinon, comme autre, ouais, non, c'est tout, c'est les outils en lien comme ça, c'était ça. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres bibliothèques qui utilisent d'autres outils. Mais, ouais, mais je me demande quand même, le WhatsApp, donc c'est le téléphone, c'est personnel. Ça n'a pas suscité d'échanges, de discussions, ça, d'utiliser ces outils personnels et, enfin, voilà, si on peut s'écrire même quand on… Enfin, recevoir des messages même quand on est en récup le soir. Alors, ça pose des questions. Il y a des règles quand même. C'est qu'on n'en envoie aucun le dimanche et le lundi. Okay. Ça, c'est sûr. Le soir,
Après, il y a aucune obligation de répondre. Hein. C'est un peu comme les mails. Non, donc, on peut le mettre sans note. Après, moi, j'avais le WhatsApp, on l'avait déjà mis en place aussi dans notre bibliothèque, la bibliothèque où j'étais avant, à Sorbier. Et ça servait aussi pas mal pour renvoyer des photos d'une animation ou pour dire aux collègues qui étaient à l'étage au-dessus de faire moins de bruit. Des choses comme ça, ouais, pas faire moins de bruit, mais de pouvoir envoyer un truc. Bon, voilà. Ça, après, je suis d'accord qu'il y a la limite, c'est des outils personnels. Ouais. Non, mais j'entends que c'est des outils personnels. Je pense que la charte, on se la fait entre nous et que s'il y a eu... Voilà, on peut se dire, bon, mais là, ça, c'était peut-être pas la peine. Après, il y a aucune obligation à ce que le personnel s'y mette dessus. Nous, il se trouve que tout le monde y est parce que c'est pratique. Ouais. Voilà, oui, c'est la question du pratique. Oui. J'ai une autre question. Tout à l'heure, tu nous as parlé du mur d'expression, comme si tout le monde savait ce que c'était, mais je ne suis pas sûre. Alors, un mur d'expression, c'est... Alors, nous, là, c'est pas un vrai mur dans la mesure où on a mis des grandes feuilles de canson un peu plus grand qu'à 3 même, je pense. On en a mis 4 sur un mur, donc ça fait comme qu'on a accroché au mur. Et on a mis, en fait, sur chacun des 4, une petite phrase, alors soit avec une thématique un peu différente. On a mis des feutres, des post-it, à disposition avec des lingettes. Hein. Bien nettoyé entre chaque, des post-it, des gommettes, des trucs. Et l'idée, c'est de marquer un mur d'expression libre, hein, en général. Il y en avait un où on mettait plutôt des idées, des suggestions de bien culturel. D'animation. Il y en avait d'autres sur des trucs un peu optimistes, sur « j'aurais envie de faire quoi après le confinement ?» Enfin, des choses un peu… un peu décalé, ça dépendait. Voilà. Et puis, quand il a été plein, ben on a enlevé et on en a remis. On a remis d'autres feuilles. Là, on est plus sur le thème du jardin, de tout ça. Et puis, je pense qu'après, on va en remettre plus sur les 10 ans de Louise Michel. Voilà. D'accord. Et donc, ça permet que les gens, parce que les gens ne peuvent pas s'installer, mais ça, quand même, ils restent et puis ils lisent, ils marquent. Voilà. Oui, d'accord. Donc, on est bien d'accord que c'est la destination du public et que ça permet de vivre autrement la convivialité. Ouais. Voilà. C'est tout à fait pour le public. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des collègues qui ont écrit 2-3 trucs. Parce qu'il y en a qui peuvent pas s'en empêcher. Mouvement, quoi. Voilà. Tu nous as dit que vous étiez structuré en pôles. Est-ce que tu peux citer ces pôles? Alors, il y a 4 pôles actuellement, qui datent il y a 10 ans, hein, donc peut-être pas tout à fait, mais qui sont construits depuis longtemps. Donc là, on est en train d'y retravailler dessus. Alors, il y en a un qui est sur l'accueil, donc au sens large, ça veut dire aussi la culture commune, la mettre à jour, le vadémécum, enfin tous les trucs qui ont rapport avec l'accueil. Il y en a un sur l'action culturelle et la communication. D'accord. Il y en a un sur la pôle doc. Alors, la pôle doc, ça ne veut pas dire que les personnes qui… C'est pas toute la pôle doc n'a pas tous les fonds à ce moment-là, mais c'est qu'eux, ils gèrent tout ce qui est budget, facture et les requêtes, relancer les collègues sur le pilon, les achats, voilà. Des choses comme ça. Et puis, il y a un autre qui est ce qui s'appelle le territoire et habitants. Et donc, d'accord, qui est sur les partenariats, le public précaire, etc. Voilà. D'accord, très bien. Mais et donc, il n'y a pas jeunesse adulte numérique, mais effectivement, il y a quand même des collègues qui sont plus jeunesse que d'autres, même si après, au niveau des animations, c'est transversal. Après, au niveau des acquisitions, on a chacun quand même nos fonds. Oui, mais on sent que c'est quand même une manière de faire vivre la transversalité. L'heure de nous quitter vient de sonner. Donc, merci beaucoup, Christelle. Et je voudrais aussi remercier l'équipe de la régie, tout particulièrement Renaud Gise pour son suivi très attentif. L'équipe de la communication, celle évidemment de la délégation à la coopération, qui est en train de vous concocter des rendez-vous bibliogrilles pour la rentrée. Merci, Christelle. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.